Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit jeu rétro sur PlayStation, un jeu qui est sorti en 99. Donc, pour faire court, c'est un jeu en fait parodique qui reprend en fait les animes des années 70 sur les gros robots comme Gonagai le faisait avec Goldorak, Mazinger, etc. quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser voir les cinématiques et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. な地球人どもよ、宇宙悪魔帝国のビースト軍団の威力の前にひれ伏すがいい。上がれ勇気を胸に走り出せ俺は負けない平和砕く悪の使者を迎え撃つぜ無敵のパワー真っ赤に Donc voilà, comme je vous le disais, on se retrouve devant un jeu parodique, en fait qui a été, je pense, a été fait vraiment, vraiment par des fans de Gonagai, puisque bon, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de se retrouver devant un vieil anime de Gonagai, si vous connaissez donc. Et je vous assure, ce jeu, moi, vraiment, j'ai été surpris de le voir et je suis content de vous le présenter aujourd'hui, parce que c'est un jeu qui, je pense, est un petit peu rare. Hein. Voilà, je vous avertis de suite, hein, après la cinématique, je vais la passer, puisqu'on l'a déjà vu en fait sur l'intro, donc on va pas se la mater 10 fois. Donc je vous dis, ouais, c'est un jeu que je pense qui est très très peu connu. Et en fait, il se présente comme un dessin animé, c'est-à-dire que tous les personnages que vous voyez, tous les animes que vous voyez, ont vraiment été créés pour ce jeu. C'est pas un anime qui existe, hein. Vraiment tout a été créé, toute pièce. Alors le jeu, il se présente comme ça, c'est-à-dire vous avez un générique de départ. Ensuite, vous passez sur des petites cinématiques, des fois en image fixe, comme vous le voyez maintenant là. Et ensuite, on passe sur une phase jeu. Cette phase jeu, en fait, on va faire un niveau. Quand on va arriver à la fin de ce niveau, on va revoir une cinématique qui va nous faire comme une publicité, comme quand un anime passait à la télévision au Japon. Donc vous aviez le droit à une publicité, et là en fait ils vont vanter les mérites en fait de jouets, de shampoings, de tout un tas de conneries en fait. En fait ils ont fait des fausses publicités en fait en plein milieu de chaque truc, comme si on regardait en fait un dessin animé à la télévision. Et ensuite la deuxième partie du niveau va arriver, et là vous allez pouvoir jouer votre partie, arriver à un boss, et là vous allez arriver sur une fin de générique qui ensuite va mener sur un petit morceau de l'épisode prochain en fait qui va se passer quoi. Donc en fait ça a vraiment été découpé comme un épisode de manga. Alors il faut savoir qu'on a trois sortes de robots qu'on peut alterner en fait pendant qu'on joue.
Donc en fait, on va en avoir un qui va tirer des lasers, un qui va tirer des espèces de petites boules de feu, un qui va se battre au poing. Et chaque personnage, en fait, va avoir des petits pouvoirs différents. Et enfin du moins des tirs différents quoi. Et donc on peut concentrer le tir, on a un tir rapide, on a une espèce de grosse bombe qu'on peut balancer, bon voilà, on a quelques trucs comme ça en fait qu'on peut utiliser. Donc ce qui fait que ça nous permet pas mal de possibilités. Bon après c'est vrai qu'au niveau du jeu en lui-même, bon voilà, le problème qu'il y a c'est que déjà il y a le HUD qui prend les trois quarts de l'écran, ça c'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça comme ça, je trouve que ça gâche un petit peu. Et après le jeu. On peut pas dire qu'il soit super maniable, mais en même temps, voilà, c'est surtout l'esprit du jeu en fait et de la façon dont ça a été fait en fait qui est plaisant quoi. Moi, je sais que c'est ça qui m'a attiré dans le jeu quoi, ce qui fait que je me régale totalement. En plus, vous écouterez un petit peu plus tard, vous verrez dans chaque niveau en fait, il y a une musique chantée enfin, il y a une musique chantée en fait dans chaque niveau, il y a une musique chantée par quelqu'un avec la musique qui va avec, qui fait pareil assez années 70, et j'ai trouvé ça absolument génial. À savoir qu'en plus qu'à chaque niveau les musiques changent, ce ne sont pas les mêmes quoi. Bon c'est vrai que pour l'époque en plus le jeu était quand même sur 4 CD, hein, ils avaient quand même fait un gros truc quoi. Bon disons qu'il y avait beaucoup de vidéos, ce qui fait que niveau de la compression ça devait prendre pas mal de place. Mais vraiment j'ai vraiment trouvé ce jeu absolument génial. C'est vrai qu'au niveau de la jouabilité il est pas terrible, hein. On a un bouton aussi qui nous permet de nous retourner sur l'écran, ce qui fait qu'on pourra tirer de gauche à droite, ce qui peut être utile pour certains boss. Donc après c'est clair qu'il faut bien. Il faut bien penser, il faut bien regarder les niveaux, comment ils sont foutus par rapport au boss. Parce que selon le personnage qu'on va prendre, on va avoir plus ou moins de mal à tuer le boss. Bon alors là j'ai envie de vous dire comment ne pas penser à Goldra quoi, parce qu'on arrive sur une fin de demi-niveau là, on tombe sur quoi? Sur un Golgoth, enfin ce qui pourrait s'apparenter à un Golgoth. En plus on a ce petit personnage ridicule là qui arrive avec son petit robot là qui me fait énormément penser, donc si vous connaissez Goldorak peut-être vous reconnaîtrez ce personnage, enfin ce style de personnage qui s'appelait Banta je crois dans Goldorak, qui avait une espèce de robot tout pourrave là et à chaque fois qu'il se cassait la gueule sur les Golgoths ou qui essayait toujours de bien faire mais en fait il faisait que des conneries. Donc voilà, en fait je pense que les mecs ils ont vraiment tout repris ce style d'univers et voilà, ils nous en ont fait un jeu. Et moi je trouve que c'est plutôt appréciable, même si le jeu n'est pas parfait. Moi honnêtement franchement je me suis régalé quoi. Je sais que à l'époque moi j'avais du mal à le trouver ce jeu. Bon j'ai fini par m'en trouver un là, je l'avais acheté sur une boutique qui était au Japon. Et vraiment bah, j'ai pas été déçu quoi, j'ai vraiment pas été déçu de ce que j'ai vu quoi. J'ai galéré pour le trouver mais une fois que je l'ai trouvé j'étais content quoi. Bon je pense que maintenant ça doit être peut-être un peu plus simple pour se le trouver, mais bon après je sais pas du tout combien vaut ce jeu, hein. Je peux pas vous dire au niveau des prix moi je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. Moi je sais qu'à l'époque je l'avais payé on va dire les 40 euros je crois, quelque chose comme ça, ça devait être l'équivalent à moi. Moi c'était en francs mais ça devait faire à peu près l'équivalent de 40 euros. Parce que je crois pas que ça soit un jeu qui ait beaucoup marqué les esprits, surtout en Europe, bon vu que le jeu n'est sorti qu'au Japon, et même en import, c'est vrai que je me rappelais pas avoir vu beaucoup de boutiques qui vendaient ce jeu. Donc bon, peut-être que ça a changé maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité avec Internet. Mais vraiment, vraiment très très sympa quoi. Vous voyez là, j'ai changé de robot. Celui-là apparemment n'est pas adapté. Bon alors au niveau de la difficulté, après vous avez trois niveaux de difficulté, hein. Vous avez facile, normal et hard, donc là je suis en mode normal. Alors c'est pas que le jeu soit très très dur, on va dire qu'il serait même plutôt facile, à savoir qu'on peut sauvegarder à chaque chapitre. Mais le truc qu'il y a c'est que les personnages sont gros, ce qui fait que pour éviter les tirs, des fois c'est pas évident quoi.
Voilà, donc là on arrive sur la fin du demi-niveau. Et donc on va se retrouver sur un entracte publicitaire qui a été complètement inventé quoi. Voilà, donc des petits esprits publicitaires. Enfin, moi, je sais pas. J'ai trouvé l'idée vraiment géniale, surtout pour l'époque. Et vraiment, en plus, moi, bon, c'est moi les robots des années 70, c'est un truc qui me parle parce que bon, j'ai été bercé par ça dans mon enfance. Et c'est un truc qui m'est toujours plus ou moins resté. Hein, même dans les jeux, j'ai toujours aimé les jeux un peu avec les mechas. Bon, c'est sûr que clairement, on n'est pas sur le meilleur shoot qui existe, hein, mais vraiment, moi, je me régale, quoi. Et je vous dis, que ce soit au niveau sonore, au niveau visuel encore, ça dépend. Il y a des niveaux qui vont être assez jolis, d'autres pas. Des fois, ils mélangent la 2D, la 3D, bon, ils ont mélangé un petit peu tout. Bon, après, je vous dis, c'est le HUD, là, ils ont fait absolument n'importe quoi, c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que je vous dis, la jouabilité est pas super, super, quoi. Mais je pense que quand on achète ce jeu, c'est pas pour ses qualités de shoot'em up, quoi. C'est vraiment pour la mise en scène, en fait. En fait, on a tellement envie de voir ce qu'il y a par la suite, et au niveau de publicité, je peux vous assurer que quand vous voyez plus loin, il y en a, elles sont à mourir de rire, quoi. Mais déjà, rien que le fait d'avoir eu l'idée de... Vous voyez, comme la petite pub qu'on a vue, là, pour le petit jouet en plastique d'un des robots... Bon, voilà, quoi, c'est... Surtout quand on sait que ça a été fabriqué de toutes pièces. C'est vrai qu'après, si vous avez eu le jeu et que vous saviez pas un petit peu l'histoire sur le jeu, on aurait pu croire que c'était vrai, quoi. Que c'était vraiment tiré d'un anime de l'époque et qu'il mettait des petits bonus avec les jouets de l'époque. Et en fait, pas du tout. Alors c'est vrai que moi il y a un petit truc que j'ai trouvé assez étrange, parce que j'ai fait exprès de vous laisser la cinématique d'intro là, du jeu, tout au début. Et comme vous avez pu constater, en fait au début il y a une petite intro en image de synthèse avec des robots que je trouve mais vraiment énormément pourris. Et lorsqu'on passe sur des phases de dessins animés qui ont été travaillées et tout ça, qui sont vraiment sympas à voir, et ils nous ont rajouté quelques cinématiques en 3D qui sont relativement très très moches. Bon, quelque part je peux vous rassurer, il n'y en a pas beaucoup. Heureusement d'ailleurs, je préfère honnêtement les fausses pubs et les scènes d'animation classiques. Et c'est vrai que les intros en images de synthèse, il n'y en a vraiment vraiment pas beaucoup. Et heureusement, parce que je vois pas ce que ça apporte au jeu et j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. Mais bon, voilà, elles sont là, on va pas cracher dessus non plus. Mais bon. Mais vraiment, pour moi, ça a été à l'époque, ça avait été une découverte ce titre. Et en plus, moi, qui je vous dis, qui suis très très friand de jeux un petit peu étranges ou de trucs qu'on n'entend pas trop parler, quoi, en fait, et qu'on se dit qu'on a vu une fois sur une photo, puis on se dit, ah, j'aurais bien aimé l'essayer. Et moi, je vous avoue, une fois que je l'ai eu, ce jeu, j'étais super content, quoi. Moi, j'avais un ami qui m'en avait ramené un de Thaïlande, et bon, forcément, c'était pas un original. Et j'avais pu l'essayer, quoi, donc mais ça me faisait chier d'avoir ça sur une copie. Et j'ai vraiment galéré, hein, pour le trouver, cet exemplaire, hein. Je crois que j'avais mis presque ouais, entre 4 et 6 mois, je crois, après la sortie du jeu pour le trouver, parce que je trouvais aucun importateur qui le vendait. En plus, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a enfin, peut-être pas sur le premier chapitre que je vous montre, mais pendant tout le jeu, vous allez voir, il y a plein de clins d'œil à quelques animes japonais de type, pour moi, toujours Gonaga, comme je vous ai dit, hein, les Giant Robots et tout ça, quoi. Mais de temps en temps aussi, on a des petits clins d'œil sur des costumes de personnages qui font penser un petit peu à Gundam ou à autre. Inami, chikara ga aru.
切儚い蜃気楼戦い疲れて夜が来ても明日も戦う定めの Donc comme je vous avais dit, il y a un petit générique de fin et là on va tomber sur un petit teasing en fait sur l'épisode prochain. Voilà. おかげで物価は上がるし、トイレットペーパーはないから新聞紙使ったりしてもう大変だぜ。次週の月 PX は深海悪魔作戦を叩け。日本の経済は俺たちが守る。Donc voilà, clairement, ce jeu, c'est vraiment pas le meilleur shoot que j'ai vu. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que pour toute personne qui aime tout ce qui est mecha, qui aime tout ce qui est un petit peu années 70-80 au niveau des dessins animés japonais avec des robots géants ou des choses comme ça, je pense que ça. Enfin, honnêtement, j'espère vous faire découvrir quelque chose si vous connaissez pas ce jeu. Et j'espère que ça vous aura plu autant que moi, ça m'a plu à le découvrir la première fois où j'ai essayé ce jeu, quoi. Parce que vraiment, pour moi, c'est une petite perle. Parce que je vous dis, c'est vraiment le genre de jeu qu'on comprendra. Pour son petit côté, justement, un peu fan de ces choses-là. Surtout que c'est quand même relativement bien foutu, quoi. Même si le jeu en lui-même, je vous dis, n'est pas extraordinaire, les scénettes de jeu sont relativement courtes. Mais bon, voilà, on fait avec, et voilà. En tout cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir quelque chose. Moi, en tout cas, je suis content de vous avoir fait voir ce jeu. Si pour ceux qui connaissent, hein, peut-être que ça leur fera redécouvrir ou remonter des souvenirs sur ce jeu. Mais je pense qu'on ne doit pas être beaucoup en France à avoir joué à ce jeu. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, j'essaierai de vous faire découvrir d'autres jeux japonais ou autres. Hein, d'ailleurs, même des jeux français ou peut-être des jeux que vous avez déjà connus certainement, puisque bon, on va forcément tomber sur des titres que vous aurez connus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si ça vous intéresse de voir d'autres niveaux du jeu, n'hésitez pas à me le dire. Si je vois qu'il y a beaucoup de monde qui demande, et dans ces cas-là, je remettrai quelques niveaux. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez surtout pas à commenter. Ça fait toujours plaisir de partager un petit peu votre avis. Allez, ciao, ciao.